Bien aussi de couper le truc quoi. Manière on part en casu, on s'en fiche si on est sur Smurf. Faut chauffer, ouais, faut chauffer. Moi, faut que je... Moi, c'est simple, hein, ça va faire exactement une semaine et trois et quelques broutilles que j'ai pas joué. Alors déjà que quand je joue tous les jours, c'est dur. Enfin, je te laisse. Enfin, tu comprends là où je veux en venir. Non, pas vraiment. Ouais, je vais être un monstre. Je suis un monstre. Tu as un beau fond vert. Ouais, je sais. Ouais. Il me reste un HP. Can you revive me, please? I need revivation. Please, someone revive me. Tu peux me revive, s'il te plaît? I need revive. Not with the. Wait, yes. Non, ça don't pas. Revive, hein, pas m'aveugler, c'est bon. Merci. You are thank you. Dokkaibi, Dokkaida, Nanesta. Mais j'arrive pas. Putain, claquette de merde. C'est pour vous. Oh. LOL 64, je viens d'allumer le jeu. T'as allumé ton stream. Merci, mon petit geeker. Ils font du cœur, merci. Regarde, je te fais un geeker. Attends, attends, je te refais un autre. Mmh, on geeker. Geeker. Mais ça va pas la tête, mec. Je remercie mes viewers comme je peux, ok? On m'a dit qu'il fallait que je donne de ma personne, alors je donne de ma personne. Non, 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 c'est un fake, c'est un fake. Il est à droite, mec, on prend super bien avec le 7.4. Je vais faire avec. Ah, je suis où? Change d'arme, bou. Ouais. À gauche, à gauche, à gauche. Oh, mais t'as pas de son. Mais t'as pas de son, mec. Mais t'as pas de son. Et j'ai pas de son sur quoi? Il a pas bougé. Il a pas bougé, comment veux-tu? Mais non, mytho, il y avait du son, tu mec, tu sais quand on fait une rotation sur soi-même, ça fait du bruit, hein? Je t'apprends un truc sur Rainbow là, mec, hein, monsieur Prodigue? T'as entendu un truc là, mec? Mais j'ai entendu, tout le monde l'a entendu. Non, mais en spectateur mode, même... on n'entend pas vraiment la même chose. Non, j'étais pas en spectateur mode déjà. Bah, si t'es en spectateur mode, t'étais mort, non? Ah ouais, bon, j'étais en spectateur mode. Non, non, mais trouve pas d'excuses, mec, t'es sourd. C'est vite, du plat de gamme en face, regarde. Regarde ce que j'en fais du plat. Ils sont en face de toi. Ils sont pour toi, mec, remets rien. C'est ouais. Ton bon site. Non mais genre il meurt pas quoi. T'as eu qui J'ai eu un mec avec des armes. Des glaces, t'as eu glace? Non, j'ai eu un bug. Oh là là, le suspense est intégral. On va pas se mentir, j'avais tout mon temps pour le tuer. Regarde! Ah merde, il y en avait un autre! Il y en avait un autre! Il y en avait un autre! Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un autre! Oui, il faut jouer, mais à un moment, si tu sens que t'as vraiment besoin de prendre un peu les amarres parce que le jeu te saoule, parce que c'est compliqué, parce que tu te stresses et que dans la frustration t'as pas un jeu libéré, dans ce cas-là, oui, c'est là qu'il faut. Libéré! Délivré! Jusqu'au jour du nez! C'était quoi déjà? Je me souviens plus. Parce qu'ils tapent tous 1 et 2 sur la casquette de machin. 1 c'était tu ressembles à une merde, 2 t'es une merde. Ouais, ok. Non, 1 c'était ils aiment pas la casquette. Moi je sais, les gars restez polis, c'est juste des mecs qui tapent dans un ballon au final. Non, merci, franchement. Merci pour l'information, mec. Hein, on ouais, était c'est pas clair, au courant. Ouais, putain, et le mec il arrive et. Attendez les gars, c'est le mec qui essaye de séparer ses potes bourrés, tu sais. Eh les gars, arrêtez! Au final, c'est toutes des putes. Alors qu'il parle de la même meuf et tout. Voilà, t'aurais même pas dû faire le truc que t'as fait. Ouais, c'était pas ouf. Okay. Genre, j'ai senti qu'il y avait de la bonne volonté, tu voulais faire un exemple, ah, tu voulais montrer des choses. Non, mais vas-y, essaie de m'enseigner, pas de problème. Mais c'était pas ouf. Ok, ça marche. Bah, écoute, mais bien tenté, allez, okay. Allez, je vote pour l'effort. L'effort m'a plu. L'effort m'a plu, mais t'as fait pitié. Je tiens à te le dire. Je le note pour la prochaine fois. Bon, c'est quoi qu'on devait dire en live, là? Moi, je refaire.
ce genre de blague. Moi je vais arriver, je vais faire un kill avant toi, tu vas voir. Bah ouais, moi je suis un teneur de fenêtre comme personne. Eh hey, mon kill, si tu me le voles. Mon kill, si tu me le voles, je te tue. Imagine que 6-4 se serait appelé 6-9 comme la position, ça serait bizarre. On peut kick over Suaz. Il m'a mis une belle tête, j'ai été lent dans ma décale. Ça va, tu vas attendre combien de temps? Un siècle et demi? À peu près 2 minutes. J'ai envie de Okay, d'accord. Azu. Attends, on dirait un mairie qui joue quoi. Moi je bouge un peu le viseur. Il arrive. Oh, t'as un monstre. Oh putain, ce que t'as fait là, c'est ouf. Moi aussi je peux faire un cast, regarde. Alors que 6-4 a pris la décalage, il entend le C4, il se retourne, mais l'autre va faire une sortie pour essayer de l'assassiner. Et c'est à ce moment-là, Game Sense, qui savait qu'il allait faire la sortie, il l'a assassiné une balle dans la tête. Mais ce n'est pas fini pour le Glaze. Il reste du temps de jeu, 1 minute 37, il a le temps de rendre les informations. C'est du 1v1 contre une Mira qui est positionnée derrière la bombe et qui a vu le décalage. Et 6-4 a pris la position, il va jouer son aim incroyable, son aim de champion, son aim de cornichon. Attention, le risque est grand, car la Mira a certainement changé de position, il faut qu'il prenne l'information, il lui reste plus beaucoup de vie, et il a encore une minute, donc il a le temps de prendre les informations, et la Glaze est greedy, la Mira est tendue du slip, il la cherche, il joue avec, il veut connaître sa dernière position, il veut savoir où elle est, il a la position, il sait qu'elle est derrière la Mira, il va pré-shoot. What? Bah ouais, le pick advantage ne marche pas tout le temps. Eh hey mec, t'es fait défoncer la gueule. Et quand je vous disais que les armes qui tirent les plus rapidement sont les plus avantagées du jeu, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Là, à tir égal, je pense que normalement c'est 6-4 qui gagne. Quoique, non. Son tir était quand même pourri. Ouais, son tir était très très mauvais. Bon, en fait, il est pas très bon avec Glaze. Là, il fait style what? Je comprends pas. Nanana. Mais il est pas très bon avec Glaze. Vous voulez voir un bon Glaze? Venez me voir jouer Glaze. Vous voulez voir un bon joueur de Kaibi ou un bon joueur Glaze, enfin un bon joueur d'armes coup par coup, c'est Méric qu'il faut venir voir, c'est pas 6-4. 6-4, lui, il est fort pour quoi? Et franchement, la plus grande force du 6-4, c'est quoi? C'est le droning, mec. C'est tout ce qu'il sait faire de bien. Le droning. Franchement, je lui mets une deuxième Pro League dans la poche pour ça. Niveau drone, il balance un drone, il sait conduire le drone. Ah putain, qu'est-ce qu'on est con. Mec, tu veux faire un move de ouf? Je te l'apprends sur la ranquette, c'est exactement le move que tu dois toujours faire sur Skyscraper. Ok, il se compose en deux parties. Viens avec moi puisque tu as prévisé. Je suis avec toi. Okay. Ça tu attends jusqu'à ici, d'accord, la fin de la ranquette. La fin de la phase de préparation, ok? Une seconde, bye. Pas avant, pas après. Tu après. Fais péter le mur en appuyant ici, ok? D'accord. Non, caramel, arrête. Fallait pas spotter, on est spoté. Ok. Et après, okay. Tu fais que jouer sur le bruit. Soit ils vont décaler dans l'axe à droite, soit ils vont décaler juste en dessous. Mais attention, quand ils décalent en dessous, attends qu'ils montent la machine. Là, c'était fallait faire à une, t'as pas compris. Okay. Et après, tu restes ici, ok? Tu restes là. Et tu prends l'info. Fais gaffe en haut là-bas, parce qu'il peut y avoir. Ouais, mais ferme ta gueule. Ça arrive, on me rappelle. Là où t'as dit. Ah merde! Mais j'ai pas eu le temps de voir où il était exactement. Je me suis fait ibanner. J'ai mis une grosse tête au vigile. Je joue beaucoup mieux qu'Elems. La DreamHack aurait dû être pour Wham. Mary le number one. Dananana. T'es sérieux, fils? Ah ouais, bah ça, c'est une petite vengeance personnelle de tout à l'heure. T'étais à terre, tu me gênais. C'est bon, en fait. Je veux me consacrer à 100% à ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est la Salty Academy. Voilà, j'ai pas Twitter, je vais regarder sur internet. Ah. Je compare plus ça à l'exec. Ouais. Enfin voilà, c'était intéressant d'avoir ce sujet parce que c'est vrai qu'on en parle pas vraiment pendant les castes officiels. Mais ça va être sympa. En plus, il va y avoir une vraie équipe de stream qui va se mettre en place. Pardon. Il va y avoir une vraie équipe de stream qui va se mettre en place. Et vous verrez peut-être d'autres duos qui vont commencer à se former aussi pour essayer de voir. What? It was not a headshot?
operator standing. Le smoke. Le smoke, il est pas mort. De nez, le 1v1, il est où le smoke? Il était blue bar en face de toi. Mets-toi avec ta vue machin, mec. Comme ça, si c'est lui, tu sais. Voilà, et là, tu l'as pingé. Il est à droite, contact derrière le truc. La bombe, derrière la bombe. Allongé derrière la bombe. Il reload, il balance un truc dans ta gueule. Tu dois avancer vers lui, avancer vers lui. Push-le. Mais arrête de gueuler! Mais il était pas du tout derrière la bombe, il était juste là en face. Ah, oui, derrière cette bombe là. Bah oui, mais en plus je visais l'autre bombe, t'aurais dû me dire que c'était l'autre bombe. Mais je sais pas moi mec, tu putes tellement la merde. Mais non, tu donnes pas des bonnes informations. Alors ça, savoir parler pendant 25 minutes pour dire n'importe quoi tu sais faire, mais donner une information précise, ça non. Hein, t'en es incapable. C'est quand même dingue. Ça m'énerve.